c'est le deuxième opus de Savage World. D'abord, il y a que des femmes qui téléphonent. Et puis alors, elles sont hyper dévêtues, je trouve, tu vois, pour la saison. Un beau poisson. Alors celle-ci, on ne l'avait jamais faite encore, tu vois. J'avais senti un toc juste avant et elle a continué à suivre, tu vois, il y a la pause, j'étais à la blade, je te montrerai ma blade après. J'ai voulu m'arrêter boire un café, tu vois. Quand je tombe sur un truc, ça s'appelle coffee shop, tu vois, je rentre. Un truc là, plus loin là, une petite lumière rouge là, qui clignotait, on pourrait peut-être s'arrêter pour un coup. Je crois que j'ai pris le plus petit de la session, enfin au moins ça fait une touche, ça confirme notre histoire de cannibale. Voilà, bon, le pauvre en plus, je lui ai collé un ferrage, à mon avis il va s'en souvenir, je vais le remettre à l'eau. Voilà, c'est ce que je te disais, tu vois, on s'est déplacé de quelques dizaines de mètres. En fait, le poisson qui m'a coupé la queue le premier coup, bah en fait, juste de changer d'angle d'attaque. Salut les copains, c'est moi qui reviens. Bon, avec un leurre qui, ceux qui ont vu le premier épisode de Savage World, bah ça doit leur rappeler quelque chose. Oh, il l'aura ton corps.